Les amis, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est en 2023 et vient pour moi le moment de vous raconter quelques vérités sur cette chaîne YouTube. Quelque chose dont je suis malheureusement peu fier, hein, vous l'avez vu au titre. Vous connaissez mon amour pour ce poisson. Aujourd'hui, on va parler de ceci. Voilà, je vais tout vous expliquer comment ça s'est passé. Commencez pas à m'insulter dans les commentaires, je vais tout vous expliquer. C'est parti. Allez les gars, on va s'asseoir pour discuter, ça sera mieux. Donc on se retrouve le 11 juillet 2022, ça se passe le 11 juillet 2022, le jour de mon anniversaire, donc je fête mes 22 ans. Je précise que à cette période, mon record silure était de 1m64, ce qui est relativement petit. Je décide de me faire une session silure normale, au leurre, 33 degrés, il était 13h41, je me souviens, ça c'est des trucs que j'oublierai jamais. Je touche un poisson. Je comprends très vite que c'est un gros poisson que j'ai au bout de la ligne. Je comprends vite que c'est un poisson record pour moi. Un poisson qui, sans doute, dépasse les 2 mètres. Yes, premier lancer avec ça. Oh, c'est petit. Oula. Ah, c'est pas si petit. Ceux qui me suivent depuis un moment savent combien de temps j'ai mis avant de toucher un poisson de 2 mètres. Je suis passé par des phases où j'ai cassé plusieurs cannes à pêche. Des phases compliquées, mais bon, la persévérance, machin, j'y suis arrivé, c'était vraiment quelque chose, j'étais vraiment très très fier. Je vous remettrai des passages de vidéos comme ça. Donc voilà, je touche ce poisson, le combat dure environ 15 minutes. Au moment où il commence à se fatiguer, que je le ramène au bord, j'ai coupé des parties de la vidéo parce que ça allait être censuré sur YouTube. En fait, il est piqué dans une branchie, donc ça provoque un saignement chez le poisson. Aïe 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 aïe, putain, il est en hémorragie. Oh putain, il est en hémorragie. Aïe 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 aïe. Ah putain, il est en hémorragie, bordel de merde. Une hémorragie, énormément de sang qui sortent de la gueule du poisson. On voit quelques passages où il y a du sang sur YouTube, mais bon, j'ai essayé de limiter ça au maximum. Donc voilà, je le ramène, j'essaye le moins possible de l'abîmer. Je fais très attention, je le réoxygène correctement. Et là vient le moment du release. Je vous mets le release en vidéo. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, le poisson est très bien reparti sur la vidéo. Moi, hyper content, je rentre chez moi, j'ai fait mon 2m20, yes, record battu le jour de mon anniversaire, hop, nickel, super. J'en veux toujours plus. Le lendemain, je décide d'aller repêcher sur le même spot. Et j'étais avec un collègue, et un collègue me dit, t'as vu, il y a un silure qui est mort là-bas sur la berge. C'était la veille que j'avais fait mon record. Moi, je comprends directement que le sang qu'il avait perdu, le poisson qui est mort là-bas, j'étais sûr que c'était celui-là que j'avais fait la veille. Donc, je décide d'enfiler des waders, d'aller dans l'eau directement, de constater avec la canne, voir si c'était bien mon poisson. Effectivement, le poisson faisait 2m19. Moi, il faisait 2m20, mais bon. Voilà. De toute façon, il avait une trace sur la nageoire, donc j'ai reconnu immédiatement que c'était mon poisson que j'avais fait la veille. Déçu. Vraiment déçu de l'avoir tué, parce que c'est un poisson qui a plus d'une vingtaine d'années, on va dire, si c'est pas plus. Donc vraiment très déçu, j'ai arrêté la pêche pendant un petit moment, ça m'a vraiment mis un coup, sachant que c'était involontaire, c'était vraiment involontaire. Et donc j'ai tiré sur la berge pour vraiment le mesurer et tout, voir si c'était vraiment mon poisson, je constate que c'est bien mon poisson. Et une semaine après, j'y suis retourné, sans canne, sans rien. Et qu'est-ce que j'ai fait les gars? Oui, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé dans l'eau et je me suis approché de la berge en question. Et j'ai vu que les oiseaux avaient mangé totalement tout ce qui était viande, tout ce qui était graisse. Il restait que les os qui étaient éparpillés un peu de partout dans l'eau, parce qu'ils ont dû prendre des bouts et envoyer tout en l'air et tout, donc il y avait des morceaux de partout. Une idée de génie, je sais pas, une idée m'est venue en tête, j'ai récupéré tous les os que je pouvais, tous les autres, donc c'est-à-dire que j'étais dans l'eau comme ça en train de fouiller, ça c'est un caillou, ah ça c'est un os, je regardais, je mettais dans mon seau, je suis rentré avec un seau chez moi complet d'os,
Les gens m'ont regardé un peu bizarre, mais bon, ça c'est un détail. Parce que pour moi, ce poisson était vraiment symbolique. J'ai tellement mis longtemps à faire un putain de 2 mètres que je ne pouvais pas juste le laisser mourir comme ça. Je me suis dit, il me faut un souvenir. C'est un poisson que j'ai attendu depuis longtemps. Mon record silure, qui est toujours de 2,20 m à l'heure actuelle, et ça a été fait le jour de mon anniversaire. Pour moi, c'était le plus beau cadeau d'anniversaire. D'ailleurs, la vidéo est sur YouTube. En rentrant, je mets tous les os dans ma baignoire. Il était 18h30. J'ai fini à 23h45, les gars, avec une brosse à dents, à frotter tous les derniers bouts de peau, de graisse, de chair qu'il y avait sur chaque os. Donc je vous explique pas l'odeur que ça dégageait dans ma baignoire. J'ai tout enlevé, j'ai tout gratté, j'ai tout poncé, j'ai fini à 23h45. Vu l'odeur que ça dégageait, je me suis dit, tu ne peux pas reconstituer ce squelette avec une odeur comme ça chez toi, ce n'est pas possible. Donc je me suis renseigné sur des forums, sur plein de trucs. J'ai acheté de l'eau oxygénée que j'ai mis dans une bassine avec tous les os, de l'eau classique et de l'eau oxygénée. Ça faisait un mélange chimique vraiment dégueulasse. L'odeur commençait à partir. Après, j'y ai mis un autre produit. Je vous mettrai sûrement en description parce que je ne me souviens plus le truc. Il ne faut surtout pas mettre de javel parce que ça peut blanchir encore plus les os. Bref, et du coup j'ai tout étalé les os et je me suis dit je veux vraiment un souvenir de ce poisson. J'ai tout étalé les os dans mon salon, sur un carton, tout séché. Et après j'ai acheté 4 bonbonnes de silicone et j'ai siliconé les os un par un. Et là vous allez vous dire mais comment t'as fait sans modèle, sans rien? Ça a été très compliqué, précisément j'ai mis 2 nuits complètes et 3 jours. Ah mon poulet, moi je suis pas à la pêche, je suis en train d'assembler un squelette de silure. Regarde ça. Regarde ça, mon cousin. Ça, c'est la mâchoire. Est-ce que t'as vu la taille? Et ça, c'est l'autre mâchoire. Il y a de quoi faire. 3 jours classiques, voilà. Donc, c'était très long. J'en avais marre à la fin. Alors, pour la colonne vertébrale, c'est simple. Hein, c'est un assemblement de vertèbres. C'est toutes les mêmes. Donc, là-dessus, il n'y a pas de soucis. C'est pas très, très compliqué. Arrive la partie de la tête, de la mâchoire, du cou, des côtes et plein d'autres choses. Là j'ai vraiment galéré, mais bon j'ai réussi en tapant tout simplement squelette de silure sur internet, images, j'ai récupéré je ne sais combien d'images, forcément aucune des images n'était pareille. Petit à petit j'ai réussi à recomposer le squelette quasiment complet. Alors là faut savoir qu'il mesure 1m55 dans mon salon, il mesure 1m55, en vrai il faisait 2m20. Le seul truc qui me manque c'est des vertèbres en fait tout simplement, sinon j'ai quasiment tous les os. Et après c'était les gars de l'improvisation, je me suis retrouvé avec des os où je savais pas du tout qui allait, où je me suis retrouvé avec des parties d'os. J'étais obligé de redisquer à disqueuse des os pour leur donner une forme d'un autre os. Et voilà, faire quelque chose d'assez réaliste on va dire. Mais bon, malheureusement, dans son malheur, je suis vraiment désolé pour lui. Je voulais pas le tuer, c'était pas mon but premier, hein, vous le savez, mon amour pour ce poisson. Black Cat, j'ai des cannes à silure, j'ai des affaires de silure, j'ai un aquarium provisoire où j'attends de mettre un silure là-dedans, j'ai des livres à plus savoir quoi en faire sur le silure. Les gars, le silure c'est vraiment une passion, je suis contre les gens qui tuent le silure, voilà, donc moi vraiment j'en suis pas fier. Maintenant j'ai si je peux dire ça, un bel objet de déco dans mon salon, je l'observe très souvent et je suis content d'avoir ça parce que moi je peux l'observer, voilà. Et sachant que j'ai un poisson que j'ai pêché dans mon salon, c'est bien parce que quand les gens viennent chez moi, ils disent ah putain, c'est toi qui l'as pêché et tout, mais c'est un vrai squelette et tout. Donc voilà. Et bah écoutez, on va s'approcher d'un peu plus près et puis on va regarder ça en détail. Voilà donc, petit souvenir de ce beau poisson. On m'a fait des plaquettes comme ça, donc c'est vraiment cool. Ça me fait un beau souvenir. Voilà la petite plaquette. Hop. Bon, et ben on va commencer par la fin. Donc, vous voyez ça, c'est un os. Bah, typiquement, je savais pas où il allait. Pour moi, ça ressemblait à la nageoire caudale d'un silure. Donc, je l'ai collé là. Et après, les vertèbres, bah, c'était tout simplement assez simple. Hein, de la plus petite jusqu'à la plus grosse. Voilà. J'ai tout collé, tout siliconé. Là, vous voyez, ces parties d'os, j'ai été obligé de les redisquer ici parce que je ne savais pas où ils allaient. Donc, c'est pour imiter tout simplement les ailerons qu'il a. Les ailerons. Les nageoires à l'arrière. Vous voyez, de l'autre côté, il y en a une autre. Là, voilà. Hop. Ensuite on retrouve bah ça je pense que c'était les côtes. C'est pareil, j'avais des bouts d'os, vous voyez que j'ai tout simplement enfilé dans les autres siliconé, tout ça, voilà. Le tronc. Ça me faisait penser à la petite nageoire dorsale.
Mais c'est pareil, c'est un bout d'os, je sais pas où il allait, mais bon, ça y ressemblait, donc je l'ai mis tout simplement là-dessus. Le crâne, voilà, donc je pense que les yeux sont... Merde, les yeux sont à ce niveau-là. Voilà, le crâne qui était assez simple. Là, j'ai deux mâchoires comme ça, deux mâchoires supérieures, mâchoires inférieures. Pour les dents, bah, c'est tout simplement... Bah, il n'y a plus de dents, hein, forcément, ça fait que des petits pics comme ça. Voilà, la gueule. Le leurre avec lequel je l'ai pris, voilà. Ça, ça doit être là, un bout débranchi. Vous voyez, il y a des os. Vraiment, les gars, ces os-là, je sais pas où ils allaient. Et en fait, j'ai tout simplement tout siliconé à ce niveau-là. Hein. D'ailleurs, le silicone, on le voit encore, vous voyez. Là, il y a des parties de silicone. Alors, pour ceux qui se demandent, là, il n'y a aucune odeur. Hein. C'est vraiment que des os. Il n'y a aucune odeur. C'est pas fragile du tout. Vous voyez, ça tient quand même. C'est quand même très, très solide. En même temps, faut dire que j'ai passé la dose en silicone. Et voilà. Et petit détail, sur les barbillons, sur un silure, il n'y a pas d'os dedans. J'avais deux os, je ne savais pas où les mettre. Et ben voilà, du coup j'en ai fait un semblant de barbillon. Ça donne un petit côté drôle. Et puis voilà, après là c'est les ouïes, donc là il n'y a pas de doute, c'est vraiment les ouïes. Et après tout simplement, bah, j'ai pris une planche que j'ai découpée. J'ai trouvé des espèces de petites barres en métal comme ça qui formaient un U. Donc j'ai percé dedans, tac tac tac, pour le mettre un peu en hauteur, un peu comme dans un musée. Mais voilà, malheureusement... Dans son malheur, on va dire que je lui ai donné une deuxième vie et je suis content qu'il soit exposé dans mon salon. Voilà, donc il fait 1m55. Le leurre avec lequel je l'ai pris, le leurre qui a fait un poisson dans sa vie, bah, c'est celui-là. Voilà. Voilà, un petit spin tail de chez Caperlan. Donc voilà, pour moi, c'est symbolique tout ça, même si j'aurais préféré qu'il reparte à l'eau. Hein. Mais voilà, je voulais vraiment lui donner une deuxième vie et je suis... Malheureusement, j'aime pas dire ça, mais je suis fier d'avoir ça dans mon salon à l'heure actuelle. Alors, à ce niveau-là, on peut même retrouver les deux dents pharyngiennes. Pour ceux qui savent pas, c'est les dents qu'il y a à l'entrée de l'estomac pour appuyer les proies et les faire directement rentrer dans l'estomac. Là, on a toute la partie, normalement, qui est des viscères, hein, où il y a tout le système digestif. Et à ce niveau-là, la queue commence. Voilà. Voilà, les gars. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que le titre ne vous aura pas trop fait peur. Mon but c'était vraiment de vous annoncer une vérité hein, sur ma chaîne YouTube, parce que je suis quand même assez fier d'avoir fait ça, mais je suis pas fier de l'avoir tué. Encore une fois, je répète que je suis vraiment contre les personnes qui tuent le silure, pour moi ça me dépasse totalement. Mais bon, voilà, j'ai un bel élément de décoration maintenant dans mon salon. Et dites-vous les gars, de toute façon, que tous les poissons que vous pêchez... Moi, il est très bien reparti, mais regardez, le lendemain, il est mort. Hein. Donc, en fait, sur tous les poissons qu'on pêche, et on le sait très bien, hein, mais sur tous les poissons qu'on pêche, ils repartent pas tous. Voilà, moi, il était très bien reparti, c'est pour ça que j'étais très content. Et bah malheureusement, il se retrouve là. Voilà, les gars, donc, petite vidéo. Dites-moi si ça vous a plu, si ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous trouvez que c'est utile ce que j'ai fait, si vous trouvez que c'est intelligent, au lieu de le laisser crever sur la berge. Voilà, encore une fois, je suis vraiment désolé d'avoir tué un poisson de cette taille-là. Ça me fait vraiment, vraiment très chier, honnêtement. J'ai vraiment mis deux bonnes semaines sans pêcher à me poser des questions. Mais bon, c'est pas de ma faute, c'est pas moi qui l'ai tué volontairement. Et je le ferai jamais. C'est pour moi quelque chose qui est impensable. Donc voilà, les gars. Et bah écoutez, petite vidéo, j'espère que ça vous aura fait plaisir. J'ai un gros projet à l'ouverture, les gars. Je suis tellement pressé là parce que putain, je pense que je serai le premier en France à faire ça sur YouTube. Mais bon, je vous en dis pas plus pour l'instant. On est que début février bientôt. On est précisément le 28 janvier. Et bah vite l'ouverture parce que j'ai vraiment un très très gros projet. Donc voilà les gars. Et bah écoutez, moi je vous fais des bisous. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ciao !